Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode 3 de notre saga Monster of the Week à West Hill, Iowa. Et si vous avez manqué la première partie, pas de souci, vous trouverez évidemment le lien dans la description. Avant de vous laisser avec nos 4 lycéens et leur aventure paranormale, je vous rappelle que vous pouvez nous aider tout simplement en likant et commentant cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à partager nos aventures à vos amis, vos collègues, votre famille et bien plus encore. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon épisode et à bientôt. Du coup, vous allez effectivement prendre la route. Donc là, vous avez fait la discute un peu tranquille et on est bien avancé dans l'après-midi. Hein, comme on est en janvier, ça, le soleil décline un peu et il y a un petit peu de route quand même jusqu'au manoir du gars parce que là, pour le coup, en fait, le mec, il est pas dans le quartier bourgeois. Il a vraiment ses terres, vous voyez, ouais, sa forêt, sa scierie, ses machins. Donc vous avez bien fait 2-3 heures dans le van. Ah ouais. Dans le conf... ouais, 2-3 ouais, heures c'est... et on est toujours à West Hill dans la campagne. Bah, de West Hill. En fait vous êtes dans les alentours. Le mec il a eu. C'est un le van va pas vite. Je veux bien, mais quand même. c'est un industriel de l'État, on va dire, de l'Iowa. Donc il est pas. C'est Cyril West Hill là où il a commencé son biz. Mais il est assez loin. À l'échelle des États-Unis, les villes elles sont quand même vachement. Mmh. Vachement plus espacé que chez nous. Mmh. Il y a de la place. Iowa est pas très densément peuplé en plus. Disons 2 heures pour trancher. Donc dans le confort D'accord. relatif du van adolescent, vous arrivez quand le soleil commence un peu à décliner. La petite musique qui va bien. Et vous arrivez ensuite du coup à l'extérieur de la propriété du terrain de l'homme, mais c'est barré par une grande grille et en fait vous arrêtez pas directement parce que vous voyez qu'il y a des gardes, il y a des mecs armés devant la grille et donc instinctivement Linus tu poursuis un peu ton chemin pour pas attirer attention et tu vas te garer un peu plus loin. D'accord. Je suggère peut-être qu'on utilise le matériel de surveillance du van pour peut-être écouter les communications ou ce qui se passe dans la propriété. Et puis peut-être aussi scanner la zone et trouver un endroit, un point d'entrée, quoi. Ok. Ouais. Alors en commençant par le système de surveillance, on va dire ce qui est l'équipement électronique à l'intérieur de ton van, tu vas pouvoir me faire une évaluation d'une situation qui craint. Ok. Donc ça, c'est du futé. C'est du futé. Tout à fait. Ok. Petite question, tout à l'heure quand j'ai utilisé ma chance, j'ai quand même pris du galon sur mon jet raté ou... Oui, de mémoire, tu prends quand même du galon. Marche. Allez, futé. Eh bien, 10 plus 2, 12. Très bon, donc tu vas obtenir 3 informations. Déjà, avec ton équipement radio, tu entends que au Toki, il y a des mecs qui font des rondes. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir, par rapport à la taille des lieux, il n'y a pas l'air d'y avoir des tonnes et des tonnes de gardes. Donc, possibilité de se faufiler en fufu tranquille. Bien. Tu sais aussi. Tu entends dans les conversations que le vieux Walter, par contre, il laisse rentrer personne dans la maison. Donc, que l'équipe de sécurité est à l'extérieur. Et il leur paye même pas un café, quel rat. Ouais, ouais alors ils doivent avoir une petite cahute ou un truc comme ça dans le parc. Et ensuite, par la caméra vision nocturne que tu as à l'extérieur du van. Tu vois que un peu plus loin, les grilles en fer forgé sont remplacées par des palissades en bois. Et que l'entrée serait probablement plus propice
Par là que... Ouais, ok. Par là que... Ok. Alors, je vous informe de tout ça, tout en réajustant mon holster, en vérifiant que le 9mm est bien en place, et en installant mon gilet pare-balles. Pas le canif enflammé. Oui, oui. Poche à la main. La palissade en bois, c'est genre... des portes en bois à la place, ou c'est une palissade qu'on peut pas ouvrir C'est une palissade, vraiment. Il n'y a pas de porte. Okay. Parce que moi, pour rappel, je peux me téléporter et je pourrais ouvrir de l'intérieur quelque chose, je sais pas. Ça peut être pratique pour le manoir en lui-même. Oui, carrément. Ça peut être pratique pour le manoir. Carrément. Et palissade, il va falloir... les escalader. Bon. Oui, les escalader ou les... ou les défoncer, oui. Je pense que Lee serait particulièrement satisfait de potentiellement les défoncer, mais on risque de faire du bruit et d'attirer bruit, l'attention. Hein. Et si on veut être un peu subtil. Quand je crée un mur de glace, est-ce que je peux le jeter moi ? Oula. Pour que ça passe comme une plateforme qui monte ou pas ? Ça lague un peu, mais oui. Ah oui, oui. Oui, tu peux faire un muret de glace à mi-hauteur, on va dire. Vous grimpez sur le muret et après vous le... Bon bah, on est en janvier en plus, donc voilà, janvier à Iowa, il y a de la neige, vous êtes en dessous de zéro, il tiendra. Fais-nous un petit escalier, allez. Je prévois un sac d'intervention quand même avec une corde, de quoi pouvoir grimper si jamais il y a un problème, tu vois. Mais on fait pas de l'escalade. Si je rate, par exemple. Ok. Ou s'il y a peut-être moyen de passer par une fenêtre, peut-être. Elle est vraiment haute, la palissade en bois ? Ah, oui. La palissade, c'est... non, c'est du 2m50, tu vois, un truc... Ah oui, d'accord. Si t'es un peu grand et que t'es un peu athlétique, tu fais une bonne traction et... tu vois la planche des pompiers, l'exercice des pompiers de Paris, un bon saut... Moi, avec mes bras, je peux me hisser, en fait. Ouais, bah clairement. Même pas besoin Non, mais en pire, on fait courte échelle et ou la plateforme en glace, ça peut être... Ouais, complètement, ouais, en combinant tout ça, je prends quand même le matériel d'escalade parce que bon, j'imagine que c'est un manoir à plusieurs étages. Oui, tout à fait. Et si les portes en bas sont munies d'un œil, peut-être que les fenêtres en revanche à l'étage ne le sont pas. Donc c'est peut-être un moyen de rentrer par là. Les fenêtres au rez-de-chaussée, sinon. Ouais, mais les fenêtres au rez-de-chaussée, il y a peut-être plus de chances qu'elles aient été protégées, tu vois. Ouais, je pense aussi. Juste question, quoique après, si c'est un truc démoniaque, le mec, s'il a fait toutes ses fenêtres... Oui, sinon, c'est possible qu'il ait fait toutes les fenêtres. Juste peut-être la cheminée, alors. Pour être sûr, juste ça protège les choses de rentrer, mais s'il y a quelque chose de magique à l'intérieur, a priori, ça empêche pas la magie à l'intérieur. Non, a priori, c'est genre plutôt un terme... On va dire un bouclier. Ouais, c'est ça, c'est juste une... ça fait une enceinte magique, mais si l'enceinte est... Mais du coup, c'est est-ce que ça va... que... Est-ce que ça risque pas d'empêcher Lexi de se téléporter à l'intérieur ? Ah, ça, c'est la vraie question, ça. Ouais. Ah bah, si bouclier empêche Lexi d'entrer, ça, vous le savez pas encore, si elle sera bloquée, ça l'empêchera aussi d'entrer par téléportation. Dans le bouclier, je passe... d'un coup, je suis d'un côté, d'un coup, je suis de l'autre. Je passe pas. Ah bah non, c'est un truc magique, donc ça pense aussi à ces choses telles que la téléportation. C'est comme si t'essayais de te téléporter dans un bloc de béton. C'est-à-dire qu'en théorie, tu passes pas dans le bloc de béton, mais tu vas y apparaître, quoi. C'est ça. Je veux dire, c'est un bouclier plein, c'est pas genre juste une coquille. Ouais, voilà. J'ai l'impression. Ma question à la base, c'était est-ce que les signes, ils doivent être inscrits sur l'extérieur pour empêcher de rentrer, ou est-ce que de l'intérieur, ça marche quand même ? Genre, il y a un sens, est-ce qu'on peut voir les signes à l'extérieur ? Ouais, vous pouvez les voir de l'extérieur, ils sont pas au-dessus des fenêtres. Ils sont pas à l'intérieur. D'ailleurs, t'as pas des jumelles ? Linus ? Moi aussi. Bien sûr. Est-ce qu'on a un visuel? Mais il fait nuit. Il fait nuit. Les jumelles. Les jumelles infrarouges, mais elles vont pas voir à une telle distance. Alors moi j'avais même en tête un infrarouge magique. Ça fait beaucoup. Tu sais, t'es à moitié loup, tu vois pas la nuit. Et alors, mais j'imagine. Oui, t'es pas nyctalope, toi. Si, mais je sais pas si j'ai. Je peux essayer, remarque.
Je sais pas, je te lance un dé. Déjà, faut savoir, faut déjà trouver une fenêtre. Tu vois, au pire, déjà on se rapproche, on fait un peu le tour de la propriété. Parce et puis que on là, verra, en théorie, on voit même pas le manoir, limite. Non, bah non, on est juste à une plate, on est juste à une rambarde, enfin une palissade. D'accord. Qui on est trop loin du manoir pour le voir en fait. Oui, je pense. Ouais, vous voyez la forme du. Vous voyez. Bah, faut rentrer. Au faut loin, faire la vraiment forme. La forme du lieu, mais. Faut bon. Venir. Faut passer la palissade. Et puis on y va. Allez. Ok. Lizzie. Fais-le le marchepied. Je prends aussi lampe torche, tout ce qui peut servir dans le manoir s'il y a besoin, etc. Enfin, Ok. Mur de glace, du coup. Des lunettes infrarouges aussi. Je rajoute bizarre, hein, je crois, c'est ça. Hein. Je vais prendre une torche tout court plutôt qu'une lampe torche pour brûler au cas où, vu qu'il n'aime pas la chaleur. Alors, une torche tout court. Du coup. Pas sûr d'avoir de quoi faire une torche dans le van, mais. Ouf. Ça va fonctionner, mais pas tout à fait comme prévu. Aïe, aïe, aïe. Donc avec 9, donc vous allez pas pouvoir passer directement la palissade, c'est un peu trop bas. Donc il faudra faire un petit jet d'agir sous pression pour. Ça aurait été pas mal en plus. Pour finir le passage. Alors attends, parce que j'ai vu un truc. Agir sous pression, on dit attends, regardez. Hein. T'as peut-être une capacité spéciale. J'ai vu un truc là, quand il parle de magie, quand vous utilisez. C'est quoi ? Quand vous utilisez la magie dans le cadre de la magie souveraine, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Non, la magie souveraine, c'est quand vous devez faire des rituels très complexes. Et sombre, t'as pas le niveau. comme le rituel de bannissement que vous aviez fait pour le fantôme du révérend. Tu viens. Premier épisode, oui. Pour bannir le fantôme du révérend et brûler son livre, vous aviez dû faire un rituel complexe. Il y avait une énigme à résoudre, des ingrédients, oui, etc. Lexi, elle l'a fait, tac tac, c'est bon, j'ai fini. C'est ça. Elle a encore en train de comprendre le jeu, nous. Et, et elle a percé l'énigme, tout à fait. Mais bah, j'ai fait 10 moi sur la liste de pression, si jamais. Ok. Donc c'est pas ce cadre-là pour les. Donc agir sous pression, Lionel, vétéran, voué à l'exercice. J'ai fait 9. Hein. Petite traction, petit saut de capri. Faut rajouter quoi avec ? Ah, alors attends. De l'autre cool. côté, c'est sans cool, problème. Et moi, cool. J'ai ajouté ma. J'ai une paire qui me permet d'ajouter mon futé au lieu du cool. Ah. J'ai Donc quasiment moi, fait un échec. J'utilise ma manœuvre, c'est pas ma faute. Plus 1 pour agir sous pression quand vous devez gérer les conséquences de vos incantations, ce qui est le cas du coup, parce que c'est. Ah bah oui. Parce que j'ai un peu foiré mon sort que je dois agir sous pression. Et j'ai surpris, c'est quoi ? C'est cool, c'est ça ? Non, c'est ouais. Coriace ? Non, cool. Plus cool. Cool. 6. 7. 8, du coup. C'est pas un échec total. Moi, j'ai fait un échec, j'ai fait 5. D'accord. Moi, j'ai fait 7. J'ai fait 9. Du coup, pour Lexi qui a raté, bah, malheureusement... Là, c'est la chute. C'est la chute de l'autre côté. Mais pourquoi je me suis pas juste téléporté, moi, quand même, à travers la barrière, hein ? Ah bah, je sais pas, tu m'as... Là, c'est vrai que ça marchait, bah, pour ça aurait pu marcher. Oui, tu peux. J'essaie de paraître normal. Voilà, accessoirement, tu peux pousser ta téléportation pour emmener des gens, mais... En plus... Aussi, en plus, on aurait pu faire ça. Faut un G, ça peut rater quand je porte faut des gens. Faut un G, ça peut rater. Ouais. Mais du coup, t'as voulu être normal. C'est du gentil. Coup, de pas nous humilier. T'es dans le jardin à côté de Lionel, mais tu t'es un peu shooté la cheville, donc tu vas prendre un point de dégâts. Non. Pour les autres. Au moins, je prends du galon, tu vois. Oui, au moins, rien. Pour les autres, du coup. Pas très académique. Lizzie, toi, t'avais réussi, c'est ça ? Non, t'as fait 8. Ouais. Okay. Ah oui, c'est Lionel qui a réussi, évidemment, tout seul. Lee Cantrop a fait. 7. 7 et ok, donc tous les 3 vous êtes en difficulté et vous allez du coup chacun laisser tomber un objet de l'autre côté de la palissade. Moi aussi ? À 9 ? À 9 aussi. Ah d'accord, ok. Pour être... Et donc vous allez choisir. Malheureusement. Ah ! Donc c'est des objets qu'on n'emporte pas avec nous C'est un objet parmi l'équipement qu'on a, hein, c'est pas vous un... voyez l'objet tomber. Donc soit vous repassez de l'autre côté pour le chercher. Au risque de refaire un jet et peut-être de vous faire mal. Ouais.
Mais laissez tomber ce que vous voulez, j'irai les chercher. Tant pis. Moi je laisse. Bah, tout merde, j'ai pas grand chose sur moi, hein. Je laisse tomber mes points américains. Que les équipements, en fait. Bah, j'ai fait tomber, je pense, les lunettes infrarouges. Putain, ça coûte cher, merde! Aïe aïe aïe. Bah, moi, du coup, en théorie, j'ai fait tomber mon épée familiale, du coup, j'ai un peu la haine là. Je vais aller la chercher, hein. Je vais pas la laisser par terre. Hein. Mais moi, je peux pas aller les chercher en me téléportant, et puis c'est tout. Oui, en vrai, faites ça, hein. Vas-y, ah oui, effectivement. Elle a craqué ma punition. Allez, je vais tout récupérer, je les ramène. Voilà. Je me suis fait mal pour rien, et puis c'est pas grave. Ça prend un petit peu de temps parce que bon, faut que tu reprennes un peu ton souffle, tout ça. Mais du coup, toi, Lionel, tu découvres quand même. Oui, bah oui, je prends des notes. Que, hein. Tranquillou, elle a fait ses petites téléportations. Pouf, paf, pouf. Alors qu'à la base, elle l'a pas fait. Que Lizzie a fait tomber les une trois épée. Fois, non. Mais bon, mon épée, elle est pas magique, moi. Donc, c'est pas un tout petit truc, quoi. Donc, ouais, de toute façon, elle l'avait déjà sur elle, hein, l'épée. Genre... Oui. Merci, Lix. Pareil, tu t'es dit, tiens, bon, là, la lycéenne a une épée avec elle. Très bien. Mais son fils, il a des flingues et des grenades, excuse-moi. Hein, oui, puis je pense que oui, je suis pas non plus sûr. Oui, mais c'est USA Ça me rappelle ces jeux Final Fantasy qu'ils ont au Japon. Tu vas quand même pouvoir bien remplir ton calepin, je pense. Ouais, je prends plein de notes pour l'avenir, là. Du coup, vous allez avancer à pas de loup dans la propriété. Ah, ça, je sais faire. Esquiver les gardes. C'est long, hein, la progression est vraiment longue, mais vous y arrivez. Et vous arrivez donc au pied de ce manoir, effectivement, manoir qui a rez-de-chaussée, avec, vous savez, le petit porche d'entrée, les petites marches, les petits pylônes. Et puis, ces deux étages avec parfois... Il y a une tour, un peu, un endroit, vous voyez, vraiment le manoir de l'Américain qui a de la thunasse. Mmh. Eh ben, est-ce qu'on voit ses yeux, alors? Est-ce qu'on voit les yeux au-dessus des portes? Ouais. Effectivement, sur le rez-de-chaussée, ça vous prend du temps, parce que vous allez peut-être faire le... Vous allez regarder, est-ce que vous regardez juste ce que vous voyez là, ou quand vous dites est-ce que vous regardez, est-ce que vous faites le tour, est-ce que vous... Bon, bah, déjà, on se voit là, et après, je pense qu'on va faire le tour quand même, pour trouver un endroit, mais... Autant que la ronde des gardes nous permet d'explorer, quoi. Mmh. Je pense qu'on regarde en bas et en haut. Ouais, même en bas, des fois, il y a des grilles qui accèdent à une cave aussi, et qu'il aurait pas pensé. Ouais, qu'on aurait pu défoncer, ouais. Du coup, vous arrivez, effectivement, vous voyez les yeux, parce que... Les yeux, ils sont peints, c'est gros comme ça, au-dessus de chaque porte, chaque fenêtre. Oui. D'accord. Mais c'est peint avec du sang humain, alors? Ou c'est... Et très clairement, hein, pour toi qui sais très bien identifier des traces de sang, c'est peint avec du sang. Ouais. Et genre, on peut pas les effacer avec un peu de Javel? Tu peux essayer d'escalader et de gratter. Tu sais, il suffit de la Javel pour la déhantir. Tu peux essayer de grimper sur un rebord de fenêtre et de gratter un symbole si tu veux. Ça sent le pire. Vas-y, je tente. Oh là là. Ok. Tu sais que tu t'es déjà pété la cheville, hein. Enfin, tu t'es fait mal. Oui, enfin, je grimpe pas non plus au cinquième étage pour essayer, dit, c'est tu vois. Pas, cela dit, c'est pas si con parce qu'en vrai. Je me tiens en dessous d'elle, prêt à la rattraper si elle se fait, tu sais, propulser en arrière. Je prends le plus proche, tu vois. Bah, tenez, prenez, je donne mon poignard béni. Que là, pour qu'elle le fasse, parce que c'est pas une si mauvaise idée. Graffiti. Ça se tente, parce que si c'est fait pour empêcher des monstres et des esprits, c'est pas la première chose à laquelle ils pensent. Bah, surtout qu'eux, ils peut-être pas le toucher, surtout. Mmh. Donc tu vas, pour voir un peu ta capacité à escalader tranquillement et tout, tu vas refaire un nouveau jet d'agir sous pression. Lee, comme t'as dit que tu te mettais en dessous, tout ça, tu peux d'abord faire un jet d'aider, de donner un coup de main. Après, je rappelle que je vais pas aller chercher le plus loin non plus. Hein. Il y en a. Ouais, les fenêtres, elles sont un peu hautes et tout. C'est pas très compliqué. Mais... Ça fait 11. 11, donc il te donne plus 2. Allez là. Non, plus 1, pardon. Oh. Chance, chance. Ouais, ça foire. Putain, la chance aujourd'hui, on l'utilise. Effectivement, tu as fait 3, donc... T'as pas des cheveux secondaires. Je peux utiliser ma chance. Je fais une gueule de côté. Là. J'ai un effet secondaire de ma chance, c'est... vous apprenez que votre mission nécessite une intervention risquée de votre part urgemment. Effectivement... T'as une mission sur Terre? Tu as... Dans ta mission globalement sur Terre, c'est que t'es venu parce que tu trouvais qu'il y avait...
là-haut un peu trop de... On regarde et on n'intervient pas. Genre la mission de notre scénar, c'est ma mission... C'est ta mission qui t'a fait descendre aussi. Hein. T'es descendu parce que tu trouvais que là-haut, ils regardaient un peu, mais en mode non, mais on n'intervient pas, c'est les grands plans divins, machin. Donc toi, ta mission, c'est globalement d'intervenir quand il y a des menaces. Donc ça, finalement, comprend un peu tout ce qu'on fait depuis qu'on fait du Monster of the Week. Et donc, effectivement, tu as un flash de toi te jetant devant Lizzie, probablement pour interrompre... une balle perdue. Faire barrage de ton corps. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas, mais quand la situation arrivera, tu le sauras pas. Tu n'auras pas le choix. Tu sais que tu le feras. Oh là là. Donc ce sera moi qui te dirai, là, c'est le moment où tu plonges. Le sacrifice en scénarium. Quelle chance. Moi, je suis pas tombé de la fenêtre. Non. Ouais, bah, je crois que je préfère la paperasse. Hein. Ouais, c'est vrai que les punitions sont un peu disproportionnées. Mais... Sans blague, il y a des choses. Tu grimpes. Tu grimpes ou tu fais un perso. Quand tu t'approches, le symbole, il dégage une sacrée chaleur. Et quand tu grattes, eh bien, Lionel a eu le nez creux. Parce que effectivement, quand tu grattes avec une lame bénite, en tout cas avec cette lame-là, ça marche. Et tu sens que la chaleur qui se dégageait de l'œil que t'as gratté, c'est sûr de la pierre, tu sens que la chaleur, elle s'estompe. Allez là. Oui, Beno, j'ai trouvé une entrée. Bon, après, ça va peut-être laisser entrer le truc duquel il voulait se protéger aussi, le mec. J'en ai pensé. Ah. Mais bon, au moins comme ça... Il a oups, des gens, la boulette. Non, mais bon. Par contre, c'est vrai que ça vous enlève la chance de peut-être savoir qui était parmi vous, peut-être. Ah oui. Oh. Oui. Moi, j'attendais de voir. C'est bon. Là, en tout cas, tu sais qu'il y a une entrée. Il y a une entrée possible. Moi, tout ce que je sais, c'est que Lexi, elle a tout de suite voulu supprimer le symbole plutôt que de se dire c'est bon, on n'est pas maléfique, on peut rentrer. Donc, j'ai des petits doutes sur Lexi, du coup. Bah non, mais le but c'était que tout le monde rentre, non? Je sais pas. Ouais, vous auriez pu essayer la porte. Potentiellement, vous saviez pas si vous passiez ou pas. Mais. Après, cela dit, au moins ça va le buter, quoi. Au pire, voilà, il meurt et puis c'est tout. Hein. Exactement. C'est souvent comme ça que ça se résout nos affaires, de toute façon, en ce moment. Les miennes aussi, fiston. On est des enfants très matures. Ça, ça a pris. Je reviens de France et à Nation, il s'est passé des choses. Bon, je te montrerai les vidéos si tu veux. D'accord, bah, je veux bien voir les archives, effectivement. En 2006, oui, il y a eu des choses. Tout ça, ça a pris un petit peu de temps, hein, votre infiltration, le tour de la maison, tout ça. Donc, on arrive tranquillement dans la soirée. On arrive dans la soirée et. Et du coup, est-ce que vous tentez maintenant l'entrée dans ce famoso manoir? Je me téléporte à l'intérieur et j'ouvre la fenêtre. Et bah hop, tu te téléportes à l'intérieur et... Je prépare la corde pour envoyer à la fenêtre et pouvoir rentrer plus facilement. À l'intérieur, quand tu rentres, eh bien l'ambiance est smooth. Ah merde, je pensais pas que c'était presque surprise. L'ambiance est hyper détendue à l'intérieur de la maison. Ouais. Et donc, genre, c'est jazzy, c'est tranquille. Ce qui est un peu, tu vois, vous étiez en mode infiltration, barrière magique et tout. Mais tu ouvres ta fenêtre, c'est tranquille. L'endroit là où vous êtes rentré, c'était sombre. Donc, tu es dans un salon. Tu découvres un tripot clandestin à l'intérieur. Très classe le salon avec table de billard au milieu, machin, petit bar et tout. Et donc tu peux ouvrir la fenêtre tranquillement et inviter les... Bon bah go, hein. La musique, elle est mille, quoi. Faut faire des jets ou pas pour pas se péter la gueule cette fois?
que se passe-t-il? Non, là, vous agissez pas sous pression, vu que vous savez qu'il n'y a pas de magie, tout ça. Pour Lexis, c'était sous pression, parce que ça savait pas comment ça allait réagir le symbole, mais pour vous... Bah, moi, je pensais que je pouvais rentrer, mais ok. Du coup, c'est nous, bon. Pour nous, on n'avait pas de doute. Vous êtes tous à l'intérieur. Le manoir est gigantesque. C'est-à-dire que là, vous êtes... En fait, dans le salon, vous êtes plus exactement dans la salle de billard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de canapé, il n'y a pas de truc. Donc, probablement, il doit y avoir une autre pièce qui sert de salon, peut-être une pièce bar. Enfin, vous voyez, le... Ici, ouais, ça palpe. Genre un manoir. Oui, il y a des pièces par envie, quoi. Genre... Ouais, voilà. Mm. Peut-être même des couleurs. Oh, j'ai le billard rouge, j'ai le billard bleu. Il fout trop d'argent. Vous êtes tous surpris par ce... Bah ouais. On referme la fenêtre ça derrière nous, peut-être, pour éviter d'attirer l'attention de l'extérieur. En retirant la corde. En retirant la corde, tout à fait. Oui, parce que si on laisse la corde avec la fenêtre fermée, c'est un peu con. T'as pas moyen de piéger une porte, toi ? Piéger une porte ? Oh si, je peux peut-être réussir à piéger une porte, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à piéger cette fenêtre ? Genre vrai, avec un piège de feu, vu qu'il craint le feu, le truc. La chaleur. Oui, mais il va peut-être pas passer par cette porte là-dedans, la demeure est immense, quoi. On donc, sait pas si le c'est pas de ce truc-là qu'il faut... Ça fait une faille qu'à cet endroit, ou est-ce que ça a tout rompu en fait ? mais ça va pas être de ce qui craint le feu qui va se protéger. Non, c'est le truc qui poursuit pourquoi il a pris le bâton. Oui. Donc ça, on ne sait pas quelle nature c'est, quoi. Ça, on ne sait pas de quelle nature c'est, effectivement. Bon, alors il pourrait y avoir quand même aussi l'autre truc, parce qu'il est censé le protéger, et clairement, on est peut-être une menace pour lui. En position intervention, je sors le 9 mm, la lampe, et j'avance comme ça. Commencer à explorer l'étage. J'ai juste une question. Vous êtes, vous êtes au premier étage, hein, là, du coup, là où vous êtes. Okay. Enfin, au deuxième. C'est-à-dire qu'il y a un niveau au-dessus. Ah, il y a encore un niveau au-dessus, d'accord. Okay. Ouais. Bon, okay. Commençons déjà par... L'épée familiale, elle est normale ou elle est magique ? L'épée familiale... Alors, c'est juste marqué épée familiale, mais c'est juste pour savoir si c'est... Je crois que c'est juste une épée. D'accord. Il faudrait que tu agisses avec ta magie pour... Oui, je pourrais l'enchanter, quoi. L'infuser de ta magie. Ok. Voilà. Merci. Bah, du coup, je leur fais ça. On commence par explorer cet étage et puis après, peut-être aller voir au deuxième avant de redescendre. S'assurer qu'on ait rien qui vienne dans notre dos avant de s'occuper de ce qu'il y a en bas. Je sors mon trident. Juste question, si je veux enchanter mon arme, est-ce qu'elle reste longtemps enchantée ou pas? Bah, les effets durent une trentaine de minutes en général dans la. Quand tu utilises la magie, si je... Plus au dernier moment. C'est ça, par défaut, la magie dure une trentaine de minutes. Ok, merci. Ok. Donc vous baladez. Vous entendez, pardon, je précise quand même que la musique jazzy, pépouze, tout ça, elle est plutôt au rez-de-chaussée. J'allais te demander si... Il a l'air d'avoir une réception ou un truc comme ça, je pense. Il y a quelques... ben, c'est obligé. C'est chiant s'il a une réception alors qu'il... On entend comme un... Oui, brouhaha, mais peut-être plus. Une réception pas avec des... Tiens. Avec des... Il y a son petit coyote à côté. Est-ce qu'on peut utiliser un peu nos sens ? Tu peux lire et évaluer une situation qui craint. J'évalue. Tu as peut-être des choses avec Louis d'ailleurs renforcées ? Non, c'est l'odorat chez toi. Je sais pas exactement. C'est j'ai pas vraiment... Je crois que t'avais choisi un sens. Il y a eu... Non, peut-être pas. Non, je regarde, mais c'est pas forcément... Non. Non, rien de particulier sur... Ouais, non. J'ai de la force, mais voilà, c'est tout. Bon, bah c'est pas ouf. C'est avec... c'est avec cool, c'est ça ? C'est avec futé, évaluer une situation qui... Ah, bah encore pire, c'est un échec. Parce que j'avais fait 7, mais du coup, bah, moins 1, donc 6. Bah non, tu ne sais pas. Tu n'entends rien, tu ne sais pas s'il y a des gens... Tu gagnes un point. J'ai pris du galon. Bon, bah, tout va bien. Il n'y a personne dans cet appart. Dans cet immeuble. Je te vois plutôt bien. Ouais, on peut le faire aussi. Enfin, oui, après, on aura plus s'entendre, mais... Tu voulais faire quoi, toi ? Tu voulais savoir... Moi, je voulais écouter si au rez-de-chaussée, il y avait comme un brouhaha qui aurait justement fait comme s'il y avait une réception. Qu'on s'approche
de la musique de manière ouais, discrète possible. Et quand on aura, soit qu'on entendra plus fort, soit on aura. Surtout, on aurait pu entendre des rires, des éclats de voix, ce genre de trucs, quoi. Moi, je serais bien monté au premier, parce que des fois, les salles de réception, second, t'as tu un dire. Côté où. Là, vous êtes au premier déjà. Ah oui, tu veux dire. C'est une fenêtre, c'est une fenêtre haute, c'est pour ça que Lexie, elle a dû faire une petite accroche. C'est un sol en parquet. Ouais. Ouais, d'accord. Donc le parquet, attention, ça grince. Il y a des tapis et tout. T'as le parquet bien. Ouais. Si tu veux, je attention, ça peut grincer. Ça peut grincer par endroits. C'est surtout ça. Faites attention à la répartition de votre poids. Et faites attention au bruit de vos talons. Sur le parquet. Ça va, j'ai les Converse. Bon. Eh bien, moi, je sors des petites. Des docks. Comment ça s'appelle déjà les des patins. Des patins, ouais. Je sors des patins, c'est pour pas faire de bruit. Le que je mets sous mes, sous mes chaussures. C'est le sac à maïs. Bah, écoutez, avançons discrètement. Allons d'abord, effectivement, au premier. On va voir si. Enfin, au deuxième, pardon, s'il y a. Peut-être quelconque vue sur une grande salle, effectivement, de réception, ouais, mais il va falloir à un moment donné aller voir cette musique et voir ce qui s'y passe et peut-être attraper ce notable. Moi, je me dis que potentiellement au second, c'est peut-être là qu'il y a aussi. Parce que s'il fait des réceptions, c'est plutôt au second qu'il aurait potentiellement une salle de rituel, s'il y en a une. Pas plus dans les sous-sols qui font des trucs bizarres, les gens ? Ah, ça peut être dans les sous-sols, mais si le mec a deux étages. Non, moi, on sécurise le deuxième étage, comme ça. Ouais, complètement. Quand vous êtes. Ouais. Vous êtes au second, du coup, vous voyez. Alors, déjà, vous êtes rapproché des escaliers. Donc, voilà. Vous entendez que la musique, elle est clairement en bas. Elle est. Plutôt assez forte. C'est pas genre juste. Okay, ouais. Je suis chill et j'écoute de la musique, le volume est assez élevé. Ouais, c'est peut-être même pour cacher quelque chose limite. Ouais, peut-être, ouais. Quand vous montez, vous arrivez, vous voyez que c'est en fait l'étage des chambres et salles de bain. Vous arrivez sur un grand palier et il y a d'un côté une porte et de l'autre côté un couloir avec en enfilade plusieurs chambres, quoi. D'accord, ok. Bon. Bon, juste checker vite fait les pièces, ouvrez-les. Ouais, les on regarde une rapidement, par une et on regarde vite fait s'il y a un truc intéressant, mais sinon on part d'ici. Il y a un cercle rouge avec du sang au sol, tu vois. Des trucs qui sautent aux yeux. Ouais, je reste au niveau des escaliers, comme ça, je guette s'il y a un mouvement ou quoi. Okay. Donc la grande porte qui était seule d'un côté, c'est clairement la master bedroom. Il y a un énorme lit king size. Il y a des trophées de chasse, il y a une décoration, on va dire à connotation très bonhomme, quoi. Ouais, on sent plus que la chambre maître des lieux que du couple de la maison. Quand vous continuez à. D'ailleurs, on sait est-ce qu'il a une compagne ou un compagnon, ce notable ? Ou est-ce que c'est un vieux, il doit être tout seul. Il est veuf. Oui, donc il a eu une compagne ou un compagnon dans sa vie, quoi. Il a trois fils, mais vous n'avez pas trop d'infos. Est-ce qu'ils sont dans le coin ? Est-ce qu'ils sont partis ? Pourquoi ils sont beaucoup moins... a priori, ils bossent pour la Syrie, mais est-ce qu'ils vivent encore là ou pas ? Ça, vous ne le savez pas trop. Mais justement, en fouillant, c'est un peu des enfilades de chambres. En gros, c'est des chambres et des salles de bain. Genre, chaque chambre a sa salle de bain. Ouais. Il y a quatre chambres, quatre salles de bain. Et vous voyez, par contre, il y a une chambre qui, effectivement, a l'air d'être occupée. C'est-à-dire qu'il y en a où le lit est fait, machin. Ah oui, mais il y a un peu de poussière et tout ça. Et il y en a une où, a priori, il y a quelqu'un qui vit dedans. C'est une chambre d'adulte. D'accord. De jeune adulte. Lit une place ? Lit deux places aussi. Lit deux places. Bah, adulte, ou ça peut mais... être du personnel, sinon. Ouais, du personnel, tu les loges pas là, c'est dans un quartier particulier, non. Quoi. Enfin, dans une zone particulière. Ok, bon, bah, il est veuf, mais il y a peut-être son fils, ou qui vient de temps en temps, ou qui est encore dans le coin, mais en tout cas, il n'est pas tout seul. Il a un quoi. Rapport avec l'éventuel. Ouais, oui, c'est ça. Enfin, il a un invité, quoi, il n'est pas forcément solo. Bon, redescendons, du coup. Il n'y a pas d'indice sur qui ça pourrait être dans la chambre ?
Non, pour le coup, c'est assez, assez austère, et donc il n'y a pas de photos, de choses comme ça, mais il y a... Pas de valise avec des vêtements pour savoir si c'est un homme, une femme ou... C'est un homme, effectivement. Il y a une penderie, donc... Ok, ça se joue. Très bien. Je peux pas fouiller dans les poches ? On peut. Tu peux fouiller dans les poches, tu peux... Je fouille toutes les valises. Oh, une amulette. Genre, il l'avait laissé dans son double, dans son autre veste, tu sais. En fouillant, là, vous avez le temps, tranquillement, mais... Obligé, quand même. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est qu'il y a des tickets de caisse qui sont principalement de Des Moines, qui est la ville principale de l'Iowa, qui est à quelques heures au sud de West Hill. Encore Des Moines. Encore Des Moines. Ça s'écrit pas pareil. Les pièces du puzzle se mettent en place. En fait, c'est trop le genre de réflexion qui pourrait se faire pour de la caisse. Tiens, tiens, tiens. Bon, je prends à nouveau la direction pour redescendre. Ouais, okay, je suis resté derrière moi, les enfants. Moi, quand même. J'étais juste là, je vous attendais, moi. Restez derrière moi quand même, j'ouvre la marche. Je prends mon magnum et mon poignard. Et puis j'avance. Mais descendons vers la musique. Et de toute façon, si la musique est vraiment extrêmement forte, il va pas nous entendre spécialement. Ouais. On va plutôt assister, je pense. On va plutôt arriver. Il va peut-être pas nous entendre, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui peut nous capter, quoi. Oui, bah c'est pour ça. Restons vigilants, quoi. Ouais. Okay. Peut-être commencer à entendre des coups de feu dans la cour parce que y a la créature qui vient de comprendre qu'elle peut rentrer maintenant dans le dans le bâtiment et les gardes vont commencer à s'exciter. En fait, plus le temps passe et plus je pense que c'est plus une sorte de il doit y avoir un rituel qui concerne. En cours. Plus que. Ah. Peut-être plus la ville, et lui, il va se protéger, tu vois. Il va y avoir peut-être un truc dans ce style-là. Ah, ouais. Genre, il va faire ce qu'il veut, il va se dire, mais moi, c'est bon, je serai à l'abri. Oui, oui. En même temps, j'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé à Halloween, il a peut-être pas trop tort, quoi. Je vais raser cette ville de merde, là. C'est bon, tout se fait chier. Peut-être un truc pour qu'il sacrifie toute la ville ou un truc. Bah, peut-être, ouais. J'ai un peu peur de ça. Mais après, il aurait plus de clients. Il s'en fout, lui, des clients. Ouais, ça fait un moment qu'il s'est retrouvé chez lui. Donc, ou peut-être je pense qu'il veut... qu'il est riche. Oh, moi, je pense que si sa femme... Il était proche de sa femme, vraiment... C'était un couple fusionnel. La raise. Bah, peut-être, ouais. Il va peut-être faire ça, un... Vous savez pas, en tout cas. C'est pas dans le... Ouais, il va peut-être, le du gars. Il va peut-être faire un wololo, hein. On sait pas. Hein. Après, c'est vrai qu'en même temps, avec la religion égyptienne, avec tout ce côté de... Bah, ouais, de passer l'âme et tout, ouais. Ouais. Peut-être qu'il veut sacrifier son fils pour ramener sa femme. Bah, bref, on sait pas, mais il va falloir faire gaffe quand même, quoi. Allons enquêter. Ouais. Ça vous a pris un peu de temps, hein, encore, parce que voilà, le temps s'écoule assez vite, puisque vous êtes obligé de faire ça tout doucement. Donc vous redescendez et... Ouais, c'est très grand. Au rez-de-chaussée, la musique est à nouveau, effectivement, vraiment forte. Pas assourdissante, mais quand même. Le truc où, s'il habitait pas au milieu nulle part, les voisins viendraient toquer. Mmh. Même si c'est du jazz... Ça n'autorise pas tout. Vous voyez que la radio est dans le grand salon où il y a un bar et tout. Mais que personne n'est là. Personne n'est là et si, par contre, il y a une trace de, je dirais, d'activité humaine puisque sur le bar, il y a une bouteille de whisky ouverte et il y a des traces de la trace d'un verre sur le... Sur le bar. Ok. Donc vous savez, a priori, à cet âge, il y a quelqu'un. Ça, il met des glaçons dans son whisky. Il n'y a pas le verre. Il est quelle heure ? Là, on doit être bien entre 21h et 22h. Bien... Je pense que c'est minuit les heures de rituel, donc il était l'heure aussi. On va fouiller dans le tour. Il y a plusieurs entrées à cette pièce, du coup ? Oui, effectivement, vous êtes entré par une porte parce que les escaliers vous ont emmené dans le hall d'entrée de la maison et vous êtes entré par le salon avec deux autres portes à l'opposé, à un angle. Il y a une grande porte au fond face à vous et puis il y a une porte... Pardon, si je suis hors de la caméra, ça ne marche pas. Il y a une grande porte à l'opposé face à vous et puis à l'angle juste à côté une autre plus petite porte. Ok, moi je me rapproche de ces portes là pour être la petite porte pour soit pas forcément voir mais pour écouter
pour voir si j'entends quelqu'un arriver ou quelqu'un qui y est pendant qu'il fouille la pièce. De la serrure. Toutes les portes sont fermées. Elles sont fermées. Ouais, enfin, pas fermées, mais forcément verrouillées, mais ouais. Je sais pas s'il se promène dans son manoir, il pourrait laisser ouvert. Avec la... Moi, j'ai les portes ouvertes partout. Ouais, pareil. Oui, c'est parce qu'on a des chats. C'est pas faux. Avec la musique forte, vous allez avoir du mal à utiliser l'audition pour le coup, pour vous repérer. Ok, juste je reste près des portes, comme ça, s'il y a un souci, je mettrai un taquet et puis voilà. Hein. Est-ce que dans les affaires qu'il y a ou la manière dont les choses sont placées dans le salon, est-ce qu'on se doute de par où il a pu partir? Parce que il s'est servi un verre, mais dans quel sens était tourné le verre? Est-ce qu'il a l'air d'avoir pris le verre et de partir dans un sens, d'avoir bougé un siège après, au passage? Il s'est servi le verre, mais on n'est même pas sûr que ce soit pour lui le verre. Hein. Se trouve, il a servi un verre à quelqu'un d'ailleurs. Peut-être, oui. Ouais, un verre qui aurait été drogué. Est-ce qu'il y a un élément dans l'environnement qui fait penser que voilà, il a pris ce chemin-là? Tu vas faire un petit enquêter sur un mystère. Il peut sniffer l'odeur. Avec futé, c'est ça? Avec futé. Moi, je vais sentir le whisky. C'est un 8. C'est un 8, donc tu peux avoir une information. Et tu vois qu'il y a quelques gouttelettes qui vont entre le bar et la petite porte. D'accord. Ah, okay. Je montre. Pour vous détailler un petit peu la bibliothèque, un peu plus, il y a quelques tableaux, il y a aussi, dans le salon, il y a aussi des bibliothèques, c'était ça que je voulais vous dire. Quelques bibliothèques, il y a une très grande cheminée avec un certain nombre de bibelots posés dessus. Est-ce qu'il y a des bibelots qui pourraient ressembler à l'amulette d'Anubis, c'est ce que j'allais dire. Exposé, là. Sur les... Si sur les bibelots qu'il y a, il y a plutôt des statues, des trucs un peu art contemporain, pas forcément de très bon goût. Mais alors, tu vas voir par contre un objet qui t'intrigue, qui n'a vraiment rien à foutre là. C'est une petite boîte en métal, genre vraiment assez quelconque, et dans laquelle tu vois des choses très très cheloues. T'as une photo de Walter quand il était très jeune. T'as des petits ossements. Il y a de la terre dedans. Et il y a séché des fleurs jaunes. Oh le bâtard, je sais ce qu'il a fait. Est-ce que moi avec mes... Attends, c'est toi qui découvre ça. J'imagine que c'est une référence à l'agence, mais... Non, c'est une référence à une très bonne série, mais... D'accord. C'est encore Supernatural. Il y a un croisement d'une route. Vous êtes trop fan de Supernatural. Moi, je connais pas, j'ai jamais regardé. Non, mais est-ce que moi, ça peut me parler en tant que... Moi, ce que j'allais dire aussi, avec mes connaissances en magie, je dois connaître certains types de rituels de ce genre. Alors, pour... Enfin, rituel, pacte. Les petits os. Pour Lizzie, non, parce que c'est... vraiment pas la magie que t'as... Ouais, c'est la magie de la... T'as pas creusé de ce côté-là, pour l'instant. Ouais. Par contre, Lionel, alors si en plus l'incus t'as percé le... t'as percé la référence, et je crois que Mayal l'a aussi. Si tu l'as, ton perso l'a. Je veux dire que c'est le savoir de l'expert. Ok, donc lui, il a fait un pacte avec un diable. Un démon, un démon au croisement, quoi. Un démon au croisement, Après, maintenant, il faut juste savoir ce qu'il a fait, et peut-être que le démon du croisement, c'est ce qu'il voulait pas... Enfin, c'est le truc qu'il voulait pas qu'il vienne le chercher. Il va venir récupérer. C'est quoi un démon du croisement vu, en gros, un démon du croisement... Après, jeune... Vas-y, je t'en prie, si tu veux le dire, vas-y. Non, mais après, j'ai dit jeune, normalement, c'est pas 10 ans qu'ils ont, non? En fait, ça dépend des pactes, quoi, mais c'est-à-dire que... Parce que là, il a vécu, quoi. Le truc, c'est est-ce que ça correspond... Il y a pas longtemps. Ah non, mais je pense qu'il a fait le pacte. Non, parce que la photo est jeune. Non, mais je pense qu'il a fait le pacte. Il a fait le pacte, il a eu le succès qu'il a eu en tant que notable dans la ville, en politique, etc. Il a perdu sa femme, peut-être que c'est sa femme, il l'a perdu, que c'est peut-être un... Il l'a perdu en mode de dommage collatéral, ou peut-être normal, tu vois, elle est peut-être morte de mort naturelle, on sait pas. Mais par contre, effectivement, quand il est arrivé à terme du contrat, il s'est dit, bah en fait, je vais trouver un moyen pour pas qu'il vienne me chercher. Et c'est peut-être à partir de cette date-là qu'on a commencé à plus trop le voir sortir. Ouais.
Par contre, l'amulette d'Anubis, j'avoue que... À quoi elle sert, quoi. Comme protecteur. Il voulait Anubis comme protecteur. Ouais, peut-être qu'il s'est dit que ça marcherait, quoi. Peut-être que ça marchait pas. Et du coup, il a cherché une autre protection. Ou alors, il a juste voulu cumuler les protections, tu vois. Après, normalement, ouais. les démons du croisement, ils sont censés prendre quelque chose quand même au moment de la transaction, il me semble, non? Bah peut-être que la première fois, ils ont pris sa femme et qu'ils ont raté et que c'est depuis ça qu'ils se protègent. Et les petits os, ça vient d'où? Parce que normalement, c'est des trucs que t'enterres. C'est des trucs que t'enterres au croisement. Il faut mettre les os d'un chat noir pour faire le... Ah bah voilà, il avait des chats, tu vois. C'est ça les portes. C'est ça les portes. Je croyais que c'était son nouveau-né ou un truc comme ça. Mais d'ailleurs, si vous voulez, pour le petit côté historique, c'est pour ça qu'en France, notamment, en Europe, quand vous allez dans les campagnes et tout, au croisement, il y a beaucoup d'hôtels avec même des croix en fer. Ça vient de ça. Des calvaires. Ça vient de cette tradition. Bon, bah, en tout cas, on comprend pourquoi il voulait se protéger, le monsieur. Bon, bah écoutez. Soit on vient de littéralement ouvrir la porte. Signer son arrêt de mort. À la personne qui vient chercher, au démon qui vient le chercher. Mais techniquement, nous on s'en fout, il va rien nous faire, le démon. Ah non, il va rien nous faire. Donc. Moi, là, ce qui m'intrigue le plus, c'est l'amulette d'Anubis et la récupérer et la mettre en lieu sûr et le bâton pareil. Bah ouais, c'est ça. Et le chacal qui tue des gens innocents comme ça. Bah justement, si on a l'amulette. Si lui meurt et que c'est lui qui a le contrôle du chacal, on s'en fout. C'est juste qu'il faut juste récupérer les objets et éviter de. Donc le plan, c'est qu'on, avec un gros coup de pied, on défonce la porte. On pourrait juste attendre que le démon arrive. Juste l'ouvrir la porte, à mon avis, elle est pas fermée à clé. Hein. Oui, elle est pas fermée. Tu mets ton fusil pendant que le gars il est en train de siroter son whisky moitié pété là. Pas grosse balle phospho dans sa tronche. Fin du game. Mais la balle phospho, c'est pas pour lui, c'est pour l'avatar d'Anubis. C'est pareil, il aura pas le temps d'activer son Anubis. Pour information, je suis pas très serein à l'idée de prendre le prix d'un démon du croisement. Je préfère le laisser prendre ce qu'il a à prendre. Je sais pas s'il se passe pas un truc si on tue à la place. Oui, on va pas prendre son âme. Non, l'idée, c'est l'amulette. J'ai pas vu Surnatural. L'amulette et le bâton, si on peut le récupérer. En vrai, c'est même pas une question supernaturelle, c'est purement, je me dis, in-game, je me vois pas... Ouais, le démon, il va arriver, il va être là, bah c'était à moi, ça. Bah, c'était à moi, bro, que moi j'ai besoin d'une arme. Il va vouloir qu'on lui finisse la manou, après. Oui, c'est plutôt ça, tu vois. J'ai plus peur de ça. C'est même pas une question de rêve de supernaturelle, c'est vraiment, j'ai vraiment peur du... Bon, bah moi, je suis pas venu pour rien, alors on fait quoi? Donnez-moi une arme. Allez. Qui fait un pacte? Et puis qui n'essaye pas le démon non plus de récupérer l'amulette. J'avoue que moi j'ai très peur de l'amulette, enfin de l'allumette d'Anubis. Une fois qu'elle est craquée. Si c'est un démon qui a tout ça, après on n'est pas dans. Oui. Dans la merde. Bah, c'est pour ça que je joue. Déjà si le démon est pas venu chercher le. Bon, allez, ouvrons cette porte. Vers cette porte là, allons-y. Moi je l'ouvre parce que j'étais à côté des portes. Hey. C'est bon, je te vois arriver, j'ouvre la porte. C'est le bruit de la porte. J'ouvre, toi t'es devant. Ah, Linus. Ouais, je suis prêt avec le flingue. Moi je suis sur le côté et toi t'es en face. Donc, Cette porte elle amène à un couloir. Oh. Et en fait, c'est le couloir de service. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a la cuisine avec une partie vitrée. De l'autre côté, il y a un garde-manger, et puis après, il y a une succession de pièces, débarras, etc. Est-ce qu'il y a d'autres gouttes par terre? Alors là, pour le coup, vous n'allez pas avoir besoin de gouttes pour la suite, puisque en avançant dans ce couloir sombre, vous allez vous mettre à entendre un hurlement à un moment. Vous entendez le hurlement d'un homme qui dit « Mais papa, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade, mais laisse-moi partir !» Ah, il va donner l'âme de son fils à la place. Ouais. Allez, fonçons. Bon, moi, j'avance direct, je fais « Suivez-moi les enfants, on y va. » On y va. Effectivement, dernière porte à droite. Dernière porte à droite, vous êtes sûr, vous entendez, puisque vous entendez une voix qui répond, c'est Walter qui dit « J'ai besoin de ton sang. C'est...
le sang de la famille, c'est plus fort que tout. Il faut que tu comprennes, j'en ai besoin. C'est la famille. Jean-Guillaume. Ah. Bon, en direct, hein. On va essayer de voir direct la scène, quoi. Au pire, on le tient en joue, on fait un truc, mais... Ouais. Ouais. Ok. Donc, tu rentres moi, direct. Ouais. Ah. Excuse-moi, ouais, je voudrais juste, dès qu'on... C'est juste que je l'annonce parce que je sais pas combien... ce qui va se passer tout de suite, mais mon intention, c'est que dès qu'on rentre dans la pièce où ils sont, je voudrais barrer le lieu à la créature qu'invoque... Interdire le lieu, c'est ça machin. Ouais. D'accord. Ok. Donc, je précise également, dès qu'on rentre dans la pièce, si vous voyez l'amulette... Vous l'avez apporté ou quelque chose. Vous la saisissez. Ouais, vous la détruisez. Vous... Débarrassez-vous de ça, quoi, en priorité. Ah, on s'en débarrasse, on la met pas en sécurité. Non, pour moi, la mettre en sécurité, c'est la détruire. Hein. Mettre hors d'état de nuire. Quoi. Oui. D'accord. Elle finira dans votre cave, dans votre bibliothèque éthérée, là. Peut-être, on verra. Tant que ça existe, ça peut toujours être dérobé. Et oui, tant que ça existe, c'est dangereux, quoi. C'est ça. Ok, je lui mettrai un bon coup de poing américain si je suis à côté. Et l'idée de bannir la créature si jamais elle vient arriver, c'est pas bête non plus. Mais en fait, je bannis directement, donc ça évite que même s'il l'invoque sur le coup, en fait, elle pourra pas... Elle apparaisse, ouais. Ouais, ok. Bon, vous êtes prêts alors? Ouais. Chaud. Et la personne... Tu peux se téléporter, à la limite, si tu... Lexi, si tu peux te téléporter, ouais, tu pourrais... potentiellement aussi agir un peu plus rapidement que nous si la si je vois pas le lieu, peut-être que je peux pas. Ah, mais si on ouvre la porte et que la pièce est immense, le temps qu'on aille, on sera peut-être rapide sur l'objet avec mon trident. On sera peut-être plus rapide que nous, quoi. Bon, je compte à 3 et quand je dis 3, c'est à 3 j'ouvre la porte, c'est pas 1 2 j'ouvre la porte, c'est à 3 j'ouvre la porte. OK. Je suis perdu. 3, okay. 2, bah... et à 3, je dis 3 et j'ouvre la porte, je prends mon flingue. À 3, et après t'ouvres la porte ou 3, t'ouvres la porte? Trop tard, j'ouvre la porte. T'en es trop. Et donc t'ouvres la porte. Oh le bordel. Faut que je tape quelque chose. T'ouvres la porte et là tu rentres dans, en fait, une grande pièce pleine d'outils. C'est la pièce où on met tout le matériel de jardinage. En fait, derrière, il y a une porte qui donne lieu sur le jardin. Ouais. Et tout ce que tu vois, c'est un vieux mec qui tient un couteau au-dessus d'un jeune mec qui est accroché à une chaise, complètement ligoté. La chaise, elle est vissée au sol. Autour de lui, des établis, des outils divers et variés, et à ses pieds, un seau avec du sang qui goutte depuis le bras du jeune homme. Oui. Tu vas me faire tout de suite évaluer une situation qui craint pour voir si tu repères l'amulette. C'est sur quoi évaluer une situation qui craint? Futé. Je vais l'aider là-dessus. Ouais, moi aussi. On peut être plusieurs. Bah, moi j'ai le temps, mais du coup je me téléporte comme il a dit et je mets en joue l'autre. Il n'y a que un qui peut donner un coup de main. Ouais, parce que... Je peux faire mon bannissement. 9. Ça fait 10. 10, 11 pour évaluer une situation qui craint. Pour aider. Ok. Bon, je fais 11. Si ça donne un plus 1, ça fait 11. Hein. Donc, tu peux repérer que sur la table, il y a une amulette qui est posée. En fait, l'amulette, c'est vraiment un gros disque de pierre gravé. C'est pas un truc qui gardait autour du cou. Est-ce que je peux l'annoncer dès que je l'ai vu? Genre, Alexis, ouais. Si elle peut se téléporter. Je te le dis direct. Je dis table à gauche. Et puis, tu sais, j'avance en mode. Commando. Bah, alors, je me téléporte et j'essaie de la casser avec mon trident. Ok, et agis sous pression alors. Non, j'ai de casser la gueule. Et en vrai, je pense que notre ami loup-garou, tu peux peut-être plonger sur le vieux. Ah, moi je plonge sur le vieux, hein, aucune race. Moi j'arrivais, j'allais dire à terre, mais bon. Ah bah si, t'as juste dit à terre, mais t'as précisé. 12 avec ton casser la gueule, donc. T'arrives avec ton trident, effectivement. Excellent enchaînement, parfait. Téléportation, trident sorti. Tu le plantes dans l'amulette qui explose. Elle te propulse en arrière. Tu sens qu'il y a une onde de choc qui ne te blesse pas parce que tu as parfaitement maîtrisé la situation. Et je fonce sur le vieux. Et en fait, voilà, le vieux se tourne vers toi. T'as le temps de voir un visage qui est vraiment émacié,
épuisé de fatigue, il y a des cernes énormes, comme si le gars il n'avait pas dormi depuis 1000 ans. Tu reconnais la photo du Walter Cunningham que tu avais vu, mais le gars a l'air d'être complètement une autre personne. Et vas-y, au moment où il se retourne vers Alexi, Lee. Alors, lui brise pas le coup. Il va faire casser la gueule aussi pour le. Alors. C'est le moment où il va le tuer sans faire exprès, et après on va être. Eh merde. Casser la gueule. Il donnera son âme. Si prenez-le lui, allez-y. Je fais plus bizarre, donc non, ça va, je fais 9. Si tant est qu'il en ait une, hein. Parce que ça aussi, ça peut être un délire. Je fais 9, mais j'utilise. Mais pour attaquer, je suis obligé de. Bah, tu vas me dire si ça touche, parce que je sais pas comment. Non, là, t'as pas besoin de dégâts, t'as pas besoin de préciser une arme, c'est juste pour voir si l'action, elle. Ouais, si j'arrive à le bousculer. Donc, tu vas réussir effectivement à le bousculer, à le mettre à terre. La cage. Tu vois que tu tiens un mec qui est. Maigrichon, vraiment très 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 maigre. T'as un gars vraiment pas en bonne santé sous toi, donc c'était assez facile de maîtriser. Mais que par contre, il met le peu d'énergie qu'il a, mais il met tout pour essayer de se défaire. Et il est en train de hurler : laissez-moi, j'ai plus beaucoup de temps, il faut que j'agisse, faut me laisser. Je dis à Linus, fils, va voir la personne sur la chaise. Je vais justement, effectivement, comme c'est ma spécialité. Juste pour dire, hein, j'avais fait le bannissement à 13 ans. La créature va pas venir. Je vais aller voir le mec qui est attaché pour. Je vais utiliser ma manœuvre Toubib pour lui prodiguer des premiers secours et arrêter le saignement. Ton bannissement, ça concerne qu'une créature ? Ouais, il faut choisir en fait, le type pas, de. C'est même pas bannir que je voulais faire, c'était barrer le lieu à une créature précise. Et la créature c'est la créature invoquée. Donc. Mais t'as bien fait en vrai, parce que si jamais. Et c'était un 13, donc c'était largement réussi. Eh bien, j'ai fait 10, donc le patient est stabilisé et il élimine 2 dégâts. Ok. Il est plus instable, quoi. Oui, c'est ça. Donc le mec, il est stabilisé, mais. Mais. Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous foutez chez nous ? Enfin, merci, mais c'est. Putain, il se passe quoi ? Je sors un vieux papier. Je m'approche de lui, je sors un vieux papier et je fais la technique, tu sais, comme ça là. Enquêteur spécial FBI. CIA. On a été missionné. Tout va bien se passer. C'est bon, tu l'as stabilisé ? Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai stabilisé le papy aussi. Ouais, je vois que le papy, tu ne l'as pas. Tu l'as pas cassé en deux, non, il a l'air de se débattre. Pour l'instant, il est vivant. Donc votre action vraiment s'est déroulée en un éclair, et là, tout est revenu au calme. Le vieux commence à arrêter de se débattre dans les... J'ai quand même relevé... parce que, oui, il y a eu l'onde de choc, je sais pas si t'as géré ou quoi, mais au moins, je viens quand même te voir, parce que je viens te féliciter, t'as réussi à casser la mulette. Bravo, Lexi. C'est bon, je fais une sieste. Bravo, les enfants. Et tu vois, effectivement... le bâton derrière. Ah. Et le bâton, donc c'est un grand bâton sculpté en bois avec la tête d'Horus au bout. Et tu vois que le bâton, il a été trempé dans le sang. Ouais. Il y a sûrement lui. C'est avec lui. Il le faisait avec ça servait à faire les yeux. D'accord. Alors déjà, on va prendre. Il a pas un drap ou un truc comme ça, peut-être que. Pour le mettre dedans, l'emballer, tu emballais le bâton dans un drap ou un. Ouais, il y a des bâches comme c'est un coin jardin. Il y avait sans doute, vu qu'il était en train de récolter encore du sang, il y avait sans doute déjà des fenêtres qui n'étaient pas encore sécurisées. Et il essayait de faire ça vite avant que l'autre n'arrive. Peut-être, ouais. Ah, ben, j'emballe le bâton pour le mettre de côté, moi le garder. Je fais bon, on va attendre que le. Comment dire ? Votre ami ? Le percepteur arrive. Que. Du coup, le gars il s'arrête. Walter ? Vous savez ? Bah écoutez, bien sûr que nous savons. Vous pensez que nous sommes arrivés ici par pur hasard parce que nous avons entendu du jazz trop fort ? D'ailleurs, il y aura une amende pour ça. C'est votre fils qui perdra l'amende, c'est jusqu'au bout, tu vois, l'enfer. Mais vous rendez compte que. Que vous venez de me condamner à damnation. Mais vous avez sûrement déjà. Vous êtes condamné. Vous êtes condamné vous-même. Ça fait 30 ans que j'arrive à trouver des parades, que j'esquive. Que je me gagne du temps. Et comment vous êtes gagné du temps par le passé ?
C'est mon troisième fils. J'ai. C'est pour ça que j'ai fait des enfants. J'ai réussi à sacrifier sa femme. À troquer une âme contre la mienne. Ah oui, il fallait femme. Mon âme, une âme précieuse. Ça m'a donné 10 de plus. Après, il fallait que j'offre des choses uniques. J'ai dilapidé ma fortune pour mettre la main sur des artefacts et ça m'a donné 10 ans de plus. Oui. Et là, vous avez assez joué avec les forces occultes. Hein. De toute façon, elles vont vous rattraper. Ça marche pas comme ça. Et même quand vous mourrez, vous croyez vraiment que votre âme sera sauvée? Mais qui vous dit que je comptais pas tromper la mort? Je suis le seul qui a réussi à rallonger. Ouais, tu vois que le gars, il a les yeux. Enfin, clairement, il est plus sain d'esprit. Ouais. Mais je suis le seul qui a réussi à détourner le contrat aussi longtemps. J'avais l'amulette pour me protéger des chiens. Là, ça y est, depuis qu'elle était entre mes mains. Donc, vous savez qu'en fait, c'est des chiens des enfers qui vont collecter les âmes et pas les démons eux-mêmes. Ouais, alors on va peut-être pas rester là s'il y a des chiens des enfers qui débarquent à un moment donné. Les chiens n'ont rien à faire de nous. Et là, j'allais me faire un lieu sécurisé. Il fallait juste du sang assez important, du sang assez fort pour que ça tienne, pour être sûr qu'elle puisse pas rentrer. D'ailleurs, ils devraient les entendre là. Elle? Ah oui, les chiens, c'est ça? Non, les chiens, c'est bon, l'avatar d'Anubis en aurait fait son affaire, mais elle était plus forte que l'avatar. Il me fallait. Elle voulait dire la mort. Les bêtes. Non, la démon. Avec qui elle a fait le pacte. Ah. C'était qui? C'est. Elle s'appelle Andras. C'est une démon des croisements. C'est elle qui m'a permis de bâtir tout ce que j'avais, tout ce que j'ai là, cette fortune, ce manoir, mon succès, la reconnaissance de toute la ville. Ma beauté. Bon, je pense que vous avez fait assez de mal comme ça, autour de vous. Le chemin s'arrête ici, votre aventure se termine. Des bonnes histoires en tout cas. Et votre vie se termine ce soir. Non, Lee, non. Ah, c'est arrête vrai. Là. On pourrait le... Ah, ok. Oh. Oups. Bah, déjà, oui, maintenez-le. On va le ligoter avec ce qu'il y a dans le... On va le ligoter avec ce qu'il y a et au pire, on va le remplacer. On va le mettre sur la chaise. Je relève le jeune. On peut pas le sédater, genre, histoire de... Ouais, parce que quand vous le relevez, que vous voulez l'attacher, effectivement, il commence à se redébattre. Bah, puis, je pense qu'on n'est pas des méchants, je me tourne vers la table. Fait des choses mauvaises, on va pas le laisser se faire dévorer par les chiens. Je me tourne vers la table, il doit y avoir certainement le verre de whisky encore. Tout à fait. Et j'imagine qu'il était à côté du jeune, le verre de whisky. Mais il était plutôt à portée de main du vieux. Ouais. Le jeune était attaché. Ouais, mais il a bien dû faire boire quelque chose au jeune pour pouvoir le maîtriser et l'attacher. Maîtriser, le mettre sur la chaise. Mais faudrait que tu fasses. Il a peut-être juste s'est daté. Enquêter sur un mystère. Ouais, bah je vais faire ça. Tu peux demander sinon au jeune directeur. Oui, bah je vais enquêter en demandant au jeune. Il vous a fait boire quelque chose. Ouais, lance le enquêter sur un mystère du coup. Plus futé, 2d6 plus futé. 8. Pas terrible. Hein. Bah 8, tu vas avoir une info, donc ça va te suffire. T'as un point de réserve. Okay. Et comme tu dis, il vous a fait boire quelque chose. Il dit, oh, ouais, on a... Il m'a proposé de trinquer. Il disait qu'il allait trouver la solution à tous les problèmes. Il était surexcité. Moi, je suis venu, ça fait 3 ans que je suis revenu ici parce que j'ai vu son état de santé se dégrader. Vous savez, il a juste 63 ans normalement. Voilà, et on dirait un vieillard. Et j'ai bu, on a trinqué, j'ai bu et là. Il a que 63 ans. Qui a tourné. Yeah. Bon, faites-lui boire, c'est pas une mauvaise idée. Ouais.
Je le tiens. Ouais, je récupère le verre. Alors, je sais pas s'il y a, pas de verre à lui ici, au jeune. Bah, peut-être que non, c'est dans l'autre salle. En fait, ils ont commencé à boire. Je vais dans l'autre salle. Voir si je trouve le verre dont il a parlé. Et je ramène le verre parce que j'imagine que le jeune l'a pas fini. Je reviens dans 20 minutes. Et, et voilà, je lui fais boire. Effectivement, l'autre verre, il était sur une petite table basse. Tu c'est vrai que c'est pas bête de le sédater, c'est moins vieux. Tu fais boire au vieux, c'est ça? Oui, parce qu'on n'est pas non plus des brutes. Ouais. Donc, ouais, je fais boire au vieux. Vous devez vraiment le maintenir parce qu'il se débat. Il me dit, mais. Il dit, j'ai plus de temps, j'ai vraiment plus de temps, laissez-moi. Et voilà, il a plus aucune rationalité dans ce qu'il a. Et donc, tu lui fais boire le verre et. Et les choses redeviennent. Les enfants. Redeviennent plus calmes. Fils est en état de choc. Les enfants, vous pourriez accompagner le jeune, enfin le fils dehors. Je vais laisser ce pauvre dehors, homme sur la chaise et je vais attendre que l'heure passe. Aller dans le salon, peut-être déjà. Oui, voilà, pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a quand même les gardes. On risque de se faire tirer dessus à vue. Oui, non, restez dans le salon. Ouais. Je vais attendre. On va dans le coin jazzy. On sortira. Je reste, moi ou... Non, pars, va avec eux. Ça va aller. À mon avis, ça va être un peu. T'es pas encore prêt pour ce genre de choses. Si tu veux, il y a. J'avais une autre solution. À telle ligne de la bibliothèque, telle colonne, tu auras un descriptif de comment ça se passe exactement, ce genre de choses, mais. Pour le moment, ça marche. Ton ami a eu une très bonne idée de sédater ce pauvre homme déjà. Chose que j'aurais pas idée. Forcément pensé à faire. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est pas mon ami. Non, si, c'est ton ami qui téléporte. Qui l'a dit avant. C'est Lexi qui l'a dit avant. C'est Lexi. Ah, faudrait t'essayer de me couper la parole que j'essaye d'expliquer ce que je voulais faire. Moi j'ai une idée. Et si on l'emmenait dans la pièce où on oublie tout le monde? Ça voudrait dire avoir un démon qui veut absolument une âme et qui n'a pas d'âme à sauver. Enfin, est-ce qu'il n'oublierait pas qu'il a une âme à prendre? Non, mais on va pas le sauver non plus. Il a quand même tué des gens. On va éviter de prendre des risques, peut-être, non? Bah déjà, faut réussir à l'emmener jusqu'à la pièce avec un démon aux fesses et tout ça. Enfin, c'est pas faux. Ce genre d'histoire doit être assez réglé. Généralement, quand on trouve ce genre de cas, il faut les régler assez vite pour éviter que... Du sang. Et l'oubliette ne sert pas pour les personnes qui ont pensé égoïstement. Oui, quelque part, il faut mettre les choses dans l'ordre qu'elles doivent être, et puis voilà. Mais j'aimerais vous... Je voulais juste proposer la route pacifique. Ah, mais la route pacifique, c'est celle qu'on emprunte, jeune homme. De laisser... Là, je sais pas, mais j'aurais pas fait ça. Oh, il l'a mérité, à mon avis. Hein. Je me plie à l'avis du groupe. Vu les gens qu'il a sacrifié et tout. Enfin. Donc les jeunes vont dans le salon. Ouais. Ok. Et Lionel reste avec le vieux. Je peux pas m'empêcher quand même d'essayer de voir ce qui se passe. Ou peut-être, je sais pas, tu sais, j'ai du matos avec moi, peut-être laisser un micro ou un truc comme ça pour pouvoir écouter. tu peux tendre l'oreille et tu entendras ce qui se passe. Vous êtes les jeunes, vous êtes dans le salon. Déjà. Effectivement, oui, vous avez coupé la musique. Vous êtes dans le salon et vous venez à peine de vous poser. Remettez un peu de vos émotions que vous entendez la grande horloge du salon qui va sonner 12 coups. À 6 minutes près. Minuit est passé. Le jour est donc terminé. Et de son côté, Lionel voit dans l'encadrement de la porte s'ouvrir et... une femme brune en robe de soirée rouge, très joliment maquillée, perchée sur des hauts talons, qui rentre dans la pièce, qui s'étire un petit peu, qui fait « Ah, enfin !» J'ai cru que je l'aurais jamais, celui-là. Bonsoir, Andras, j'imagine. Tout à fait. Flatté de voir quelqu'un ici connaître mon nom. À qui ai-je l'honneur? Lionel.
Je suis ici pour vous livrer cette personne qui allait se faire des sacrifices un peu plus conséquents, si j'ai cru comprendre. Donc je vous invite évidemment à prendre ce que vous avez à prendre et à partir d'ici le plus brièvement possible, si c'est possible. Ça arrangerait tout le monde. Mais ce... Dis donc, ce regard vif, ce nez droit, cet air plein d'assurance, vous êtes un Saint-Ia ? Oui. En effet. C'est... Dis donc, votre famille nous cause du tort depuis quelques générations déjà, mais c'est la première fois que j'en rencontre. On entend beaucoup parler de vous en bas. C'est bien pour ça que je préfère que cette histoire se finisse rapidement avec les formalités les plus simples. Si cela vous, vous conviendrait. Vous avez bien raison. Surtout que ça, ce jeune homme, et je dis jeune puisqu'il n'a que 60 ans, au vu de malgré son physique de cadavre et de squelette, a pris beaucoup de tort. Je sais que les affaires sont les affaires et que cette personne a tiré un peu trop sur la corde. Et peut-être qu'on vous cause du tort, mais on vous cause du tort quand vous nous causez du tort, nous, les êtres humains. Et là, pour et le coup, voilà. Vous m'avez l'air tout à fait raisonnable. Et c'est, eh bien, quelque chose que je sais apprécier. Donc, si vous me laissez, eh bien, clore mon contrat avec ce cher Walter... pourront chacun reprendre notre route, et puis qui sait, peut-être qu'on se verra plus tard à un nouveau croisement. En parlant de croisement, si par pur hasard les enfants qu'il y a dans la pièce d'à côté, dont je pense vous avez déjà connaissance de leur présence, viendraient par pur hasard à un croisement demander quelques aides, je vous prierais de refuser, si cela était possible. Écoutez, on va faire un entre-deux. Si... Je sais que vous n'attaquez pas les enfants, normalement. Non, non, non. Ils sont si candides, ils sont... Oh, Robert Johnson, quand même, mon tout premier contrat, il était encore tout jeune quand il a rêvé d'être un dieu du blues. Mais non, pas un enfant, pas un enfant. Très bien, très bien. Je leur laisserai du temps, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre la décision en leur âme et conscience. Très bien. De toute façon, si vous connaissez la réputation de ma lignée, vous savez que s'il se passe un truc auprès de mon fils, de ma famille ou ses amis, je connais votre adresse, quoi. Les enfers. Un croisement. En tout cas, faites ce que vous avez à faire avec ce pauvre fou, prenez votre dette et... Et je vous souhaite une agréable soirée. Marché conclu. Elle fait une révérence un peu... Je lui fais un petit signe de tête aussi. Un peu excessive. Elle s'approche du Walter, du coup, endormi. Et tu entends d'une manière exagérée les battements de cœur du vieil homme autour de, à côté de toi. Et puis elle avance, elle se met face à lui. Et là, brutalement, elle lui enfonce son bras dans le torse. Elle lui sort le cœur qui palpite encore quelques instants. Et puis purée. Elle regarde et... J'aurais quand même... aimer qu'il sente ça après tout ce qu'il m'a fait, mais on rattrapera le temps en bas. J'imagine bien. Et elle met le cœur dans son petit sac à main de soirée qu'elle a avec elle. Bien, Lionel, je vous souhaite une excellente nuit et peut-être à une prochaine fois. Oh, qui sait. Bonne soirée à vous, Andras. Et elle sort par la porte, c'est une porte vitrée, tu vois très rapidement qu'elle... disparaît dans la nuit. Et je rouvre les portes pour arriver dans le salon avec le petit jazz là. Je regarde si la bouteille elle a pas descendu dans le doute. S'ils n'ont pas commencé à taper dans l'alcool. On est en train de comater. Non, parce qu'on s'est dit, ça se trouve, le truc est empoisonné, on va se sédater tout seul. De toute façon, l'alcool c'est du poison. Ça, on était fatigués, les petits loulous.
Ça pour l'affaire est réglée, mais j'imagine qu'un micro ou un petit truc a dû traîner. Vous avez dû écouter, vous êtes bien curieux. Ouf. Non. On sait pas si tu peux évaluer une situation qui craint, s'il te plaît, si tu perds à jour la bande. Vas-y. Pourquoi ça va pas gueuler non plus hein. Eh ben, mec, j'ai fait un double 6. en fait, au moment où il dit ça, moi j'ai l'habitude de cet air autoritaire et paternaliste. Parce que j'ai certainement déjà dû faire des trucs comme ça dans ma jeunesse, à prendre du matériel de surveillance pour écouter ce qu'il faisait et tout. Et je dis corrige pas. Oui, donc. Linus, on avait dit qu'on disait rien. Donc la partie sur le croisement, etc., vous avez bien compris qu'il faut éviter ce genre de pacte. C'est ton père, il nous prend pour des teubés un peu, non? Non, je vous prends pas pour des teubés, je vous prends pour des enfants qui ont des connaissances qui les dépassent, mais qui, à ma plus grande surprise, savent travailler en équipe. C'est fait. Plus que je préfère prendre mes devants et... Si les gens... Vous savez, les gens sont pas stupides, les gens font des paris par espoir et par peur, parfois. Et des paris, quand je parle de paris, je parle de pacte. L'homme qui vient de perdre la vie n'était pas plus stupide qu'un autre. Il a juste cru en la mauvaise personne au mauvais moment. Et en ce qu'il pourrait gagner. Il n'a pas du tout pensé à ce qu'il pouvait perdre. Et généralement, quand vous gagnez quelque chose, c'est que vous pouvez le perdre juste après. Donc, vous n'êtes pour l'instant que des enfants, mais vous avez des capacités extraordinaires. Et vous avez extrêmement bien travaillé. Je suis assez fier de vous, le bien honnête, que je ne pensais pas qu'on irait. Qu'on serait aussi efficace sur cette intervention, le bien honnête. Si cela peut te rassurer, j'ai lu quelques petites choses sur les démons et je n'ai pas l'intention de signer un pacte pour quelque raison qu'elle soit. Moi, je m'étonne que ce serait dans Linus. On a l'impression qu'il a 5 ans et qu'il a fait une connerie et il est obligé de dire tous les trucs qu'il veut. C'est trop bizarre. Bah, c'est papa. Mais en tout cas, vous avez gagné ma confiance pour avoir accès, effectivement... au refuge de la maison, si jamais vous en avez besoin, mais... Nouveau lieu débloqué. c'est appréciable. Mais voilà, essayez de pas trop non plus... de trop toucher dans l'arsenal. Je regarde Lee. C'est dommage de se brûler en touchant la réserve d'argent. Ça a fait bobo. il a des pansements sur les bouts des doigts. Et essayez pas de vous téléporter non plus dans la pièce de l'oubliette. Je vous regarde très cher. Ça me donne pas trop envie. Oui. c'est pas un test qui a été concluant. Donc, Vous allez du coup pouvoir vous faufiler tranquillement vers l'extérieur. Hein, les gardes vous ont toujours pas vu. Bon, je pense qu'il était crevé, il avait besoin de se reposer et de récupérer son sang là, donc il était un peu. Vous l'avez. Il va retrouver son père avec le cœur arraché de la poitrine dans la pièce d'à côté quand il va se réveiller quoi. Ouais. It's life. Pas sûr que dans la circonstance il soit forcément trop. On peut peut-être faire un appel anonyme à une ambulance ou un truc. Hein. Oui, effectivement. Ouais. T'appelles, une fois rentré au van. Oui, c'est pas faux, ouais. Prévenir les autorités. Je propose qu'on fasse ça une fois qu'on a pris un petit peu de distance, quand même. Oui, on s'en va avec le van. Vous pouvez, à cette heure-ci de la nuit, soit vous pouvez rentrer à la maison Saint-Ia pour un petit café, sinon The Great White Bison est encore ouvert. Ah, donc, ouais. On peut aller fêter ça au Great White Bison. Peut-être que nous payera notre première tournée, Papa Linus. Vous méritez bien, du cidre. Un petit verre, allez, si vous voulez, une petite bière un peu légère, si ça vous tente. Vous avez 17 ans, c'est bon, je sais que vous avez déjà bu sans moi. Je suis surpris et choqué. Vous méritez bien ça. J'ai jamais vu faire ça. Il espère qu'en buvant, on aura oublié ce qui s'est passé. Faites gaffe à ce qu'il veut mettre dans votre verre. C'est Juliette qui nous sert, c'est bon, on risque rien. Vous êtes du coup de retour au bar. Et vous allez du coup vous mettre à une table, effectivement. L'endroit est assez vide, donc vous avez largement la place. Il n'y a plus pas Oswald, mais
Erwan est parti. C'est bon, il n'y a pas toute la journée. Il va pas passer toute la journée à picoler non plus. Picoler. Ça commence déjà à 10-11h. Pourquoi ouais, pas mais bon, il était venu manger. Il était là, l'endroit est calme. Vous êtes tous autour de la table et puis vous revivez un peu tout ce qui s'est passé. Vous, vous êtes quand même apprécié. Lionel a aussi un peu, comme il l'a dit, apprécié la qualité de l'équipe. Et pour conclure, je vais du coup piquer une petite habitude de Lincus qu'il fait il mène du Monster of the Week. Je vais vous demander à chacun de, pour conclure cette aventure, citer un moment qui vous a marqué dans la soirée, qui ne vous a pas, une action qui ne vous a pas directement concerné. Pique le rituel de l'invité, non, c'est moche. C'est fait pour être partagé, genre de truc. Hein. En vrai, moi j'aimerais juste le faire direct avant qu'on le pique, ce truc, mais le tout premier truc, le monde de l'extincteur, pour moi c'était signé quoi, la partie était signée quoi. Je pouvais pas le dire moi. C'est vraiment, j'ai sorti de la fumée, y'a un feu, Il y en a toujours en plus dans les c'est très très drôle. Ça donne le ton. Ouais, non, j'ai bien aimé. C'était très drôle. Comme ouverture, c'était très drôle en vrai. Ouais. Oui, comme ouverture, oui. Aïe. Mais... une entrée fracassante. Ça va. Une entrée fracassante. Moi, j'aimais bien le délire où Linkus, au début, il note. Quand il fait des trucs, c'est trop genre. Ok, donc toi, tu fais des blagues. Toi, tu es le rigolo. Encore une blague, encore une blague. Il prend un niveau. Moi, j'ai bien aimé qu'on découvre un peu. La maison de Linus, justement, et d'avoir un peu un background de sa famille et de où il a grandi et tout, parce que en fait, on a commencé le jeu en se rencontrant mais sans se connaître et on n'était pas allé plus loin dans les vies perso des personnages. J'ai bien aimé l'interrogatoire d'Erwan. Moi j'ai bien aimé globalement toutes les interactions un peu père-fils de ouais mais tu vas apprendre des choses, t'es pas au courant de tout et faire découvrir au fur et à mesure tout ça et ouais je trouve que tu nous as bien daronné pendant toute cette partie, c'était pas mal. Ouais, des moments j'ai essayé d'être pas du tout, tu sais, de vous laisser faire des trucs, tu sais, pour faire le mec qui arrive après. Moi j'aurais pas fait comme ça. Ouais, non, c'est un peu ça. Ouais. Et ben du coup, voilà. c'était très drôle de jouer du coup le Linus qui essaye de pas faire n'importe quoi, mais qui a la pression parce qu'il y a son père qui regarde et... T'as l'impression que c'est la journée inversée, tu sais, quand t'as les enfants qui vont dans la journée des parents, bah, ouais. C'était le parent qui est dans la journée de l'enfant. Je recommande pas. J'ai appelé l'école, par contre. Hein, moi, c'est j'ai bien aussi, mais j'avoue. Ça me concerne péter la punition du MJ. Bien joué. La téléportation. Ah, en fait, littéralement, Monster of the Week, c'est littéralement fait pour ça. Hein. C'est vraiment toujours trouver des solutions alternatives. Vraiment, là, pour le coup, tout est fait pour quoi. Genre, vraiment, c'est littéralement. Ouais, en plus, comme les pouvoirs sont hyper ouverts, bah oui. Tu peux vite dire, bah moi je vais le tourner comme ça. C'est ça. Clairement. Et toi, Basile bon. Bah, moi, écoutez, toujours un plaisir de jouer avec vous. Et puis, effectivement, le souhait que j'avais d'avoir Lincus qui fasse le papa, je trouve que ça a répondu à toutes mes attentes de daronnerie. C'était très bien. Et puis, je trouve que voilà, on a fait un petit peu plus long parce que justement, il y avait des bons moments de roleplay, mais c'est bien de laisser la place à ça et qu'on fasse pas l'enquête en mode rush. Donc, ça a été hyper chouette. J'ai fait quelques petits changements à la volée parce que vous avez passé pas mal de temps dans les bouquins au début, mais du coup... Bah ça, après, le refuge, c'est trop fort pour ça. Hein. Genre vraiment, bah ouais. C'est littéralement le bouquin des sœurs Halliwell. Hein. C'est t'arrive, alors ouais, attends, il ressemble à quoi ton monstre? Ok, alors attends, ok, tac, yes. Tac. Chacal, c'est bon, chacal, ok. Ouais. J'ai, ok. Il aime pas ça, il aime pas ça, c'est comme ça qu'on le piège. C'est ça la et formule. C'était quoi ton moment préféré, toi, vas-y. Je crois que, en fait, la rencontre, effectivement, c'est le début, justement, où quand Goldie et Lincus sont... Qu'est-ce que tu fous là?
j'attendais ça un petit peu et ça a été vraiment à la hauteur, c'était chouette. Et le très bon enchaînement de destruction du médaillon, parce qu'il y avait possibilité d'un affrontement si le avec si Walter arrivait au médaillon avant vous. Ouais. Et j'ai fait tellement d'échecs pendant la partie qu'il fallait au moins que je fasse une réussite. C'est ça. Et ça, c'est justement le truc que j'aime dans Monster of the Week, c'est que comme vous êtes des gens normaux et que vous pouvez pas prendre des tonnes de dégâts, machin et tout, quand c'est résolu autrement. Mais ça va plus vite, c'est plus. Ouais, et puis c'est assez cohérent avec le fait que c'est bon, vous pouvez pas défoncer un avatar d'Anubis en 2-2. Et ouais. J'avais pas forcément de solution, mais j'espérais que vous trouviez une solution. Justement, par contre, on avait les balles au phosphore, mais les balles au phosphore, c'était vraiment au dernier. Voilà. Ouais, c'était dangereux là. En vrai, la scène de on s'organise machin et genre vraiment on ouvre la porte et ça fait genre une qui se téléporte, l'autre qui fonce sur le vieux, qui le plaque au sol, un qui s'occupe direct. Enfin, c'était vraiment très cool. En plus, tout s'est bien déroulé. Bien goupillé, vraiment, ouais. On a tous fait une réussite à ce moment-là, on aurait pu totalement chier dans la Oui, c'est vrai tout le monde trébuche sur le paillasson. Notons le nombre d'échecs qu'on a fait pendant la soirée qui était assez hallucinant quand même. Moi, je me suis dit à tout moment, ils sont sur le vieux. C'est ça qui me faisait très peur, moi. Ah, le bannissement. La très bonne trouvaille, si Lionel n'avait pas donné son couteau béni à Alexis, elle pouvait pas défaire le glyphe. Ouais. Ah, j'ai bien fait de prendre le couteau béni. Ouais. Mon trident, il était béni aussi. Alors oui, si tu utilisais ton trident, ça si marchait. J'utilisais mon trident, aussi. Mais moi, ma première idée, ça aurait été de la javel, tu vois, pour du sang. Mais voilà, la javel, je pense que t'aurais pris une bonne décharge magique ou un truc comme ça. Mais donc, du coup, il y avait des fenêtres encore qui étaient pas couvertes. C'était pas fini. Ouais. Ouais. Donc on aurait pu faire le tour et trouver. Ah, c'est plus cool, quoi qu'il arrive, le démon allait venir le chercher. Elle aurait trouvé un chemin, ouais. Mais moi, je pouvais vraiment pas passer, genre. Pour moi, dans ma tête, je peux passer. T'aurais pu. Bah, pas que t'es mais pas... je peux passer, moi. Je suis pas malveillante t'es comme pas la description donc, du truc. Oui. C'est juste que nous, on avait un doute. Enfin, moi, j'avais un doute parce qu'on ne sait pas. Le doute de sa vie. Et je pensais et voilà. Que je pouvais passer, mais genre, juste, je sais pas, j'ai voulu passer quand même. Et j'ai rien eu à dire en plus. C'est même pas moi qui ai eu à dissuader et tout. Parce qu'effectivement, la téléportation, je m'en méfie maintenant. Elle peut tellement me casser des trucs. Là, c'est comme bon, parfait. Excuse-moi, mais bon. Mais la téléportation, t'as pas un test. T'as pas un test. Non. La téléportation, j'ai un test un... à faire que si je prends une ou deux personnes avec moi et en fonction du jet, j'arrive ou j'y arrive pas. Mais toi, t'es ailleurs ou pas. T'es l'élu, non, c'est ça comme truc, non. L'élu ou la. La divine. La divine. Ah oui, c'est ça. Ok. Ah, il y a deux, trois trucs, ouais. Eh bien, on va clore le live hein, quand même là-dessus. Si vous voulez qu'on continue à causer, on va continuer à causer à côté, mais on va libérer quand même les viewers. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce live. Merci à vous d'avoir joué. Merci Linkus d'avoir participé à cette partie. Merci à vous. C'était un grand plaisir de t'accueillir ici. Ouais, carrément. Et puis alors quittez pas tout de suite, on va faire un petit raid hein, quand même pour vous envoyer quelque part. Voilà, et si vous avez quelqu'un à suggérer d'ailleurs. À tous les raids parce qu'on en a eu plusieurs. On en a eu pas mal. On réagit pas quand on joue, mais ça fait vraiment plaisir. On y pense effectivement. Il y a eu Bigby, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Kyriel, il y a eu Taugura, voilà. Donc merci à tous pour les raids, énormément pour votre soutien, ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Hop, voilà, je vais aller regarder qui on va raider. Je vais vous mettre sur l'écran de fin en attendant. Et puis, bah, évidemment, cette partie sera disponible en replay à venir sur la chaîne YouTube. Disponible en replay sur la chaîne Twitch aussi directement un petit après. Pardon, si vous complément, parce que, comme je disais, si j'avais envie de recevoir l'inclus, c'est aussi parce que. Il m'a fait découvrir Monster of the Week avec son émission L'Agence, qui a deux chouettes saisons. Donc, allez voir L'Agence. Merci, aussi. Mec. Ça vaut vraiment le coup. La troisième saison qui arrive, hein, d'ailleurs. On travaille, travaille dessus. Ah, début avril, normalement. Voilà. Mais... Dépêchez-vous de regarder les deux premières. Bon, ça va, ça se fait en vrai. On va vous envoyer chez Linou Major Zero qui est en pleine partie de jeu de rôle également. Donc
voilà, on envoie évidemment de l'amour chez Linou quand on arrive. Nous, on vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce live. On espère qu'il vous a plu. On espère que vous allez rêver d'extincteurs dans la gueule, de démons des croisements, de téléportation, d'avatar d'Anubis, de tout ça. Et nous, on vous fait des gros gros bisous et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, amusez-vous. Mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Ciao les amis !